Madame, monsieur, gros bonjour, gros bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans notre journal spécial. Si là, journal nous présenté en collaboration avec VOA Creole depuis Washington, D.C. Actualité concernant le pays d'Haïti, police nationale décide de mettre pied la terre dans l'idée pour contrecarrer action bandits armés à faire dans la capitale pays d'Haïti depuis 29 février passé à côté en pile institution, en pile monde arrivé victime en bas main gang. Améo, eh bien, mesdames et messieurs, police nationale là, qui décide de poser des actions et dans ce sens, ça, yo arrivé stopper plusieurs chefs de gang parmi yo, genyen Enz Julme, qui c'est un ancien policier qui lui-même tenant prison, qui saute quitté prison 2 mars, qui saute passé là, eh bien, qui t'a opéré entre commune Pétionville et Delma, pral joine l'amol hier après-midi dans cadre d'une opération policier, et eh ben c'est la police vraiment qui arrivait mettre d'autres Greg à terre qui lui-même mesdames et messieurs t'es un ancien policier gagnant là en pile l'autre soldat qui arrivait tomber même gens avec ti Greg qui lui-même depuis un bon bout de temps là qui pas de suspend fait parler de lui depuis après li quitter prison mesdames et messieurs dans une vidéo li t'est fait li tape éclamé innocence li dans affaire gang et eh bien hier après-midi Enz Julme dit ti Greg tombé en babal agent et force l'audio mesdames et messieurs une situation qui ba go qui est cassé et n'a pas rappelé autour dans même commune Pétionville là gagné Macandal qui t'a pral installé dans Brissou arrivé et passé en bas mais et la police tout même gens gagné là mesdames et messieurs dans Paco gagné là un chef gang qui à peine tombé une situation qui vraiment ba la police confiance côté Sinapoa voyez énergie positive pour force l'audio qui pas jamais découragé malgré gens ça y est qui décide de mettre pied au terre pour contrecarrer action ti monsieur Arméo dans et capitale pays d'Haïti qui pas suspendre taillé banda l'autre point dans actualité a qui c'est conseil présidentiel là qui quitte gros doute dans moment n'a parlé là côté information t'a fait quoi que installation conseil si là c'est pas pour demain nous pas connait vraiment qu'il est l'a installé pendant autorité CARICOM yo fait connait y a travail y a prend toute disposition soupe pour conseil ça capable installer mais s'arrêter gros interrogation qui est et qui côté y a gagné pour yo vinn installer conseil si là après Moïse Jean-Charles lui-même qui c'est leader parti politique petite Dessalines dans prend disposition pour lui-même li voye moun nan conseil si la genyen leader et grand sud la n'a parlé de Guy Philippe qui c'est leader grand dans lan lui-même mesdames et messieurs qui sorti nan silence li pour le fait qu'on est question et ça qui rive là c'est un compromis c'est un complot même qui t'a monté même pour ta assassiner et li fait qu'on est malgré et ça li connaît système nan puissant la continuer rester campé pour garder et comment li capable changer visage pays d'Haïti même si ça t'a coûté la ville l'a obligé bataille la bataille pour payer l'information yo pap campé mais entre-temps moun ki déjà choisi pour participer nan conseil présidentiel ça c'est monsieur ça qui c'est Emmanuel Vertilet qui gagne représenté parti petite Dessalines gagne Dominique Dupuis gagne Louis Gérard Gilles et pour accord 21 décembre gagne Edgar Leblanc fils et collectif 30 janvier gagne tout et Fritz Alphonse Jean à commune Dana gagnait monsieur ça qui c'est Leslie Voltaire pour parti politique famille Lavalas qui lui-même yo même alors pral gagner pour participer dans conseil présidentiel là pendant gagnait une commission cap évaluer dossier moun sa pour connait qui ça qui pral
sorti sous nom yo et gagné tout yon et vraiment yon rencontre de travail qui t'a déjà programmé avec moun sa yo. L'autre point dans actualité a gagné et bien pays international yo parmi yo le Canada, les États-Unis qui prend toute disposition pour protéger ambassade yo en Haïti. Gagné là Canada qui voyait yon quantité soldats vin garder comment yo capable sécuriser ambassade Canada qui trouvait dans commune Delma plusieurs agents, plusieurs soldats, eh bien yo capable remarquer sous dos ambassade là dans la cour pays et d'Haïti, ça qui cause en pile parler dans capitale là. Point ça avec en pilote nous pral invite au suivre sous VOA et yon situation cap déroulé dans Moscou dans moment n'a parlé à VOA pral vin détaillé pour nous. Haïtien, gros nouvelle là, c'est attaque qui fait dans ville Moscou côté 40 moun pour piti mouri et puis Kate Middleton qui c'est princesse pays de Galles, et ben li fait cancer et l'autre point qui a dominé actualité. Il y a plusieurs opérations qui fait dégâts mortels dans mitan gang armé qui yo même continue à semer la terre dans mitan population civile surtout dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Toujours dans le pays d'Haïti, suspense la continue sous composition officielle avec installation collège présidentiel transition. Et puis dans l'international, le Conseil de sécurité des Nations Unies rejeté une résolution États-Unis pour un cessez-le-feu dans la guerre israélo-hamas là pendant que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken trouvait dans la région Moyen-Orient. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'autre fois encore, merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Donc, gros nouvelle là, c'est attaque ça qui arrivait dans tout près ville Moscou, dans le pays la Russie. Côté nèg armé entré dans un concert, eh bien, yo si men kout yo ouvè kout zam, eh bien, gen 40 moun ki perdu la vie yo, et plus passé yon centaine et blessé, et genyen déjà quelques réactions qui sorti à travers le monde, notamment gen la Maison Blanche qui réagit nan voie et que conseiller sécurité nationale la Maison Blanche parle de John Kirby qui dit que le pourquoi qu'a parlé sous détail attaque là même image li wayo yo tout simplement terrible elle était due pour li capable garder yo. Donc c'est dans Crocus City Hall que bagay ça rivé, donc 40 moun pour pipiti perdu la vie yo, et au moins 100 l'autre blessés dans attaque ça qui fait dans ville Moscou dans pays la Russie. Et média russe dit c'est yon attaque qui pi mortel qui rivé dans jour que se passé là qui frappé pays la Russie. N'a pas entré dans actualité à concernant pays d'Haïti, et ben gen police nationale là qui mène plusieurs opérations qui fait dégâts mortels parmi gang yo qui continue yo même y a simé la terre dans pays d'Haïti plus précisément dans capitale là. Nous pas rejoindre correspondant nous Renan Toussaint. Agents différents, unités spécialisées en de la police nationale d'Haïti menaient plusieurs opérations cérébulons contre bande armée dans le dernier jour, zone Croix-des-Bouquets, Port-au-Prince, Pétionville et Delma, côté plusieurs présumés assassins perdus la vie. Parmi eux, Ernst Julien alias Tigreg, présumé chef gang Delma 95, là, qui fait claguer dans la prison pénitentiaire nationale, les nègres de Cassé prison, les mourir dans le boucataï coup de balle avec la police, avec plusieurs autres blessés. Force l'audio fait plusieurs arrestations, accès et tout, plusieurs armes à feu. Unité spécialisée débloque tout, plusieurs axes routiers comme stratégie pour récupérer certains espaces nègres armés occupés. Objectif là, c'est faciliter libre circulation citoyen paisible, zone Delma 6 et Delma 8. Autorité policière annoncé pas trop longtemps, y a gagné pour présenter un bilan partiel par rapport à l'opération policière, que ce soit en bas la ville, tout près par les nationales, pendant que institution continue à solliciter bourrade population haïtienne dans le cadre de lutte contre le grand banditisme sous territoire national. Renan Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Et bien après opération ça que la police menait, eh bien correspondant nous dans Port-au-Prince, Massado Villemédi, il constatait que il y a plusieurs cadavres que moun capable constater dans quelques quartiers dans Pétionville. Et Massado Villemé. Dans yon viro, on fait dans quelques rues commune Pétionville ak Rodelma, puis précisément Delma 60 jusqu'à 95, nous comptait pour piti 10 cadavres qui passaient en bas d'ife. Quelques citoyens ak citoyennes qui pa vle parler nan micro ak devant caméra nous, di moun k ap boulé ou fait partie gang qui gen nan tête li Tigreg qui tombé tout. Nan boukante coup de balle ak la police hier jeudi 22 mars 2024 là.
quelques machines qui t'ai parlé avec nous, mandé la police continuer prendre responsabilité pour la vie capable de retourner complètement dans Pétionville. Oui, je dis à l'autre Pétionville, nous voulons. Je dis à l'autre Pétionville, 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 je continue à faire travail. Continue à faire travail, je demande les deux fois, donc, mais ça va les dire, travail là pour finir, là, travail là pour finir, ça, on t'y commence. Ça, on t'y commence, ma claire, pour qu'on ait là. Nous-mêmes, nous avons fait, 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 devant la paix qui a soufflé sous Pétionville, la mairie déjà reprend le travail pour nettoyer la commune. Et nettoyage n'a pas été un vent d'espoir parce que la commune Pétionville, c'est une commune de référence liée. Et malgré tout ça, dans le pays, nous connaissons Pétionville qui est nettement différent. C'est ça que, après tout ça, nous-mêmes qui sommes dans le service de la mairie Pétionville, nous, il est important et même hyper important, malgré insécurité, malgré problème, pour nous faire travail, nous qui c'est nettoyer et propreté commune. La police est là pour protéger sa vie, garantir la sécurité dans la commune. Nous-mêmes, ça, nous-mêmes, nous là pour le faire, c'est faire travail pour nous. On a rappelé, dans moins d'une semaine, c'est plus passé 30 cadavres nous arrivés compter dans la commune Pétionville. Toutefois, autorité au poko prononcé yo, sous circonstances, la maman si la yo. Depuis Port-au-Prince, moi, c'est Massia de Vilme pour VOA Créole. Merci, Massa de Villemain. Pendant ce temps, suspense là a continué sous composition officielle avec installation collège présidentiel transition. Nous sommes sur place dans Port-au-Prince, Yves Manuel. Sept membres titulaires avec deux observateurs, eux-mêmes, ils ont désigné pour composer conseil présidentiel là dans le pays d'Haïti, une entité qui est chargée pour superviser la transition politique là dans le pays. Conseil ça bien pour jouer un rôle important dans la nomination d'un nouveau premier ministre et préparation prochaine élection présidentielle. Formation conseil présidentiel là achevée à hier jeudi après quelques ajustements qui fait la donne de dernière minute. Même qui dans conseil présidentiel transition, Emmanuel Vettiler, c'est ancien juge instruction tribunal première instance dans cap haïtien, li nommé par Petit Dessalines. C'est actuellement avocat et directeur administratif financier dans l'université publique Nord dans cap haïtien. Dominique Dupuis, c'est ambassadeur d'Haïti auprès UNESCO et le représentant coalition Red à compromis historique, li reconnu pour engagement li et dynamisme li dans UNESCO. Lui, Gérald Gilles, c'est un militant politique et ancien sénateur qui nommé par accord 21 décembre. Il est également médecin et il fondé mouvement politique Nouvelle Orientation Unifiée pour libérer Haïti, Moula. Fritz Alphonse Jean, désigné par accord Montana, c'est un économiste et il a en pile expérience dans le secteur public tant que privé, sans compter institutions internationales. Leslie Voltaire, c'est architecte urbaniste, ancien ministre, l'innommé par parti famille Lavalas, il a une expertise de près de 40 ans dans le secteur public et privé. Edgar Leblanc-Fils, c'est ancien sénateur et président Sénat, il a une longue carrière politique et il est actif dans plusieurs mouvements politiques. Laurent Saint-Cyr, c'est président de la Chambre de commerce, pays d'Haïti, c'est secteur privé qui a nommé, il a récemment participé dans HCT1 avec le premier ministre Ariel Henry. Pour observateur, c'est Frinel Joseph, pasteur et homme d'affaires, li représente société civile et diaspora, li gon spécialité dans crise humanitaire et li se conseiller matrimonial. Enfin, gen René Jean Jumeau, qui c'est un spécialiste dans affaires énergie, c'est un ancien ministre qui désigné par rassemblement pour une nouvelle entente nationale et souveraine, li gon expertise de plus passer 30 l'année dans le domaine énergie. Même avec observateur sa yo a gagné un rôle important pour yo jouer dans transition politique là dans pays d'Haïti, ça qui est capable contribuer dans instabilité et préparer prochaine élection générale dans pays d'Haïti. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Donc tant que nous capable comprendre 9 noms qui t'a soi-disant fait partie de conseil présidentiel transition yo, eh ben yo prend toute la presse sans que poko gagne. Yo note officielle qui sorti ou bien bon côté CARICOM ou bien bon côté premier ministre et haïtien Ariel Henry. Pendant ce temps, vu situation dans pays d'Haïti, gan pile organisation internationale avec pays qui yo même a retiré ou bien retiré ressortissant yo ou bien employé yo dans pays d'Haïti, donc yon phénomène évacuation cap continuer Valerio Saint-Louis.
Vidéo ak image sa yo te publié lundi 18 mars passé a, image yo te montré membre Congrès américain dans l'État Floride là, député Corey Mills, qui représentait 7e district Floride là, en action k'ap aidé évacuer citoyens américains yo sorti dans un côté qui pas trop fini identifié en Haïti. Député Mills te partagé vidéo a sous compte ex LIA. Il te dit que ke 13 américains qui étaient évacués et que équipe LIA te sauvé et évacué avec succès plus citoyens américains passé président Biden ak toute administration LIA. D'après que premier ministre haïtien Ariel Henry, bloqué dans Porto Rico, a annoncé démission li une semaine de ça, en attendant un remplacement temporaire, mais conseil présidentiel là qui t'a doué choisi un autre premier ministre pour co-finaliser. Pendant ce temps, capital pays a été paralysé par nouveau attaque gang dans fin semaine passée, avec 10 feux dans prison principale là, côté que prisonniers ont été sauvés quelques jours avant, et puis résidence privée chef police nationale là, que bandits ont été attaqués et puis mettez 10 feux la donne. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valerio Saint-Louis. Donc crise pays d'Haïti a gagné répercussions sur l'autre côté, notamment gagné République Dominicaine, autorité dans pays ça, ben au prend des mesures au niveau frontière que partagé avec pays d'Haïti, et c'est comme ça envoyé spécial non Jean-Robert Philippe trouvé en République Dominicaine côté que li avec communauté haïtienne et puis l'a regardé tout ça qui a passé sous frontière nous gagne depuis dans commencement semaine. Jean-Robert Philippe ou dans communauté haïtienne en République Dominicaine, et qui sont qu'a dit nous parler de bien ce qu'on trouve qu'on y a là. Dans le Santo Domingo, particulièrement dans le parc Enriquillo, qui est même dans la capitale de Santo Domingo, pour dire que pratiquement nous avons fait tourner ça une affaire en République Dominicaine pour constater la situation. Pour nous, là, c'est un quartier qui est un pile haïtien là-dedans, et c'est haïtien qui fait. En République Dominicaine, il y a haïtien qui immigré vient là. Et les gens nous racontent tout qui dit nous, ils étaient ici là, ils n'ont pas gagné de document légal, ils ont arrêté, ils ont retourné en Haïti. Et là-dedans, ils ont retourné après que les autorités dominicaines ont déporté le territoire dominicain parce qu'ils n'ont pas gagné de document légal. Et Jean-Robert Philippe, nous connaissons que la République Dominicaine tourne un point d'évacuation. Et non seulement évacuation, mais de déportation tout. Est-ce qu'on peut parler nous de deux phénomènes, ça, déportation avec évacuation qu'a fait à partir de la République Dominicaine? Oui, effectivement, Jacqueline, et son opération évacuation, son opération qui a commencé depuis dimanche pour Américains. Mais vu que façon que les États-Unis ont fait évacuation, ils font sous deux fronts. Ils font une d'abord à partir du Cap Haïtien, que vous voyez au Miami, et ils font l'autre évacuation. Il y a moins de monde qui est là-dedans, étant donné que les moyens de transport là sont très limités. Par exemple, les Américains qui ont évacué en Haïti et sorti Haïti pour aller en République Dominicaine, c'est à travers un hélicoptère qu'ils ont fait, et ça est très limité. Il va commencer à commencer, mais l'autorité américaine, que ce soit dans le département d'État, dit qu'il y a un travail pour qu'il y ait une mesure qui évacue plus de monde possible, plus d'Américains possible qui ont besoin pour quitter le pays d'Haïti. Mais ils posent des conditions, ils disent qu'il faut qu'on soit inscrit, il faut qu'on fasse demande dans tout le pays pour qu'on veut retourner. Donc, les gens qui évacuent ce type d'Haïti pour aller en République Dominicaine, Jacqueline, mais monde ça eux même c'est les républicains dominicains c'est eux pour dégager pour faire moins de transport pour aller aux États-Unis parce que monde qui évacue à partir du Cap Haïtien à travers un vol charter privé le monde ça eux même il y a des prix pour voyage là mais c'est les y arriver aux États-Unis mais entre temps rien va changer ces petits petits groupes jusqu'à présent d'après ça que nous lit et bien gagné à peu près moins que 200 citoyens américains qui déjà sorti Haïti en République Dominicaine d'après les dernières données que l'autorité a été baillée. Mais librement là, comparé avec l'autre moyen qui était gagné, parce que l'hélicoptère est très limité en termes de quantité de monde pour être capable d'évacuer en même temps. Et il n'y a pas quand même de quantité de voyage que vous faites par jour. Et Jean-Robert, brièvement, dis-nous, quelle est la situation sous frontière et République Dominicaine partagée avec Haïti en termes de déportation? Qui j'en frontière en termes de déportation, qui j'en frontière, qui est situation frontière et frontière que Haïti partageait avec République Dominicaine?
Bon, j'en pas rien qui change. Il faut accepter que Dominicani, ou bien Dominicain, ou le gouvernement dominicain, à travers le service immigration, opération et déportation, il n'est pas campé. Il continue à faire chaque jour. Et chaque jour, il y a au moins 10 camions, bien 10 gros autobus service immigration qui ont été arrêtés pendant tout le temps que le fait arrêter, de mettre en côté. Et c'est un centre qui est à Aïna. Et le Monsaïo, chaque jour, il y a déposé un groupe. Les gens disent que le Monsaïo, il y a un processus qui fait pour eux, il y a fait empreinte, il prépare un dossier pour eux. Et là, on vient à ici, tout bon, l'autre dossier qui prépare pour eux. Mais la population, la continue. Alors, nous, c'est sous deux fronts. Bien d'abord, nous avons déporté contre eux, même si ils ont forcé à retourner, qu'ils ont déposé. Et il y a tous des compatriotes qui ont même choisi de retourner en Haïti volontairement parce qu'ils disent soit parce que les documents sont finis, parce qu'ils n'ont pas gagné moyen pour renouveler les documents, hein, ou bien tout, ils ont fait leur moyen pour aller parce qu'ils n'ont pas avoir pression que le service d'immigration a pris sur. Et d'autant plus, Jacques, il y a plusieurs entités qui entrent en jeu. Ce n'est pas seulement le service d'immigration qui va arrêter Haïtien, qui a vu dans le pays à son document légal, qui est pour l'autre agence dominicaine qui a fait le même travail à tout. Et par exemple, côté ma parole là, qui est dans place et parc de Kiyo, eh bien, nous rencontrons avec des compatriotes qui disent que c'est chaque jour le service d'immigration qui vient d'eux. Donc, nous traduisons pendant eux là, il y a regardé ni à droite ni à gauche pour eux, si pas d'agir service d'immigration qui vient pour eux, pour qui est en jeté, parce qu'il y a plus de familles là. Qui n'a pas un document légal, mais qui gagne qui tout, qui a été déporté et qui retourne par le même moyen qui a été rentré déjà. Merci Jean-Robert Philippe. Et Jean-Robert Philippe, c'est envoyé spécial service créole, VOA créole, en République dominicaine. C'est dernier moment que l'a passé en République dominicaine, côté que l'a regardé pour l'ouest. Qui j'en sais par rapport à la communauté haïtienne en République dominicaine avec tout et phénomène évacuation avec déportation qui a fait en République dominicaine ou sous VOA créole. On va suivre un programme dans langue créole haïtienne. Merci d'être choisi VOA créole pour informer actualité internationale là apmenen nous dans région Moyen-Orient côté d'abord gagné secrétaire d'État Anthony Blinken qui dans région pour un sixième voyage pendant ce temps gagné Conseil sécurité Nations Unies qui rejeté une résolution États-Unis pour un cessez-le-feu dans guerre israélo-palestinien. Sandra Lemaire. We made progress in the last couple of weeks. Secrétaire d'État Anthony Blinken mandé Israël encore pour ne pas lancer invasion ni commettre pour le faire dans la ville Rafah, dans Gaza. Blinken dit journaliste au vendredi que États-Unis partageaient objectif Israël gagnant pour remporter la victoire sur Hamas, mais il dit opération terrestre là, ce n'est pas une bonne façon pour faire. We share Israel's goal. Il dit nous partager objectif Israël gagnant pour remporter la victoire sur Hamas, qui est responsable pour massacre pi terrible juif depuis l'Holocauste là. Et nous partager objectif qui mandé pour assurer sécurité Israël à long terme. Mais une grosse opération militaire en Rafah, ce n'est pas façon pour faire. Ils risquaient de tuer plus civils, ils risquaient de créer plus désordre dans l'assistance humanitaire, ils risquaient d'isoler Israël, puis plus tout partout dans le monde, là, et puis mettre en danger la sécurité à long terme avec réputation dans le monde. Blinken est parlé après une rencontre avec le premier ministre Benjamin Netanyahu qui dit Israël prend engagement pour le pousser pour plus devant avec l'opération Rafah. Le dit-il, nous reconnaître besoin pour évacuer la population civile là dans la zone de guerre. Et bien entendu, répondre besoin humanitaire et nous travaillons sur ça. Même dit-il que nous pas gain aucun moyen pour nous remporter la victoire sur Hamas sans nous pas entrer Rafah et puis éliminer reste bataillon yo. Et moi dit moi espérer n'a faire avec support États-Unis, mais si nous devons faire pour compte nous n'a faire. Blinken a fait sixième voyage dans le Moyen-Orient depuis la guerre Israël-Hamas la tête en main dans le mois d'octobre 2023. Puis fort voyage li était concentré sous GFOR pour joindre un cessez-le-feu pour augmenter la quantité d'assistance humanitaire qui a entré dans la zone de la guerre dans Gaza. Blinken dit qu'il y a un travail qui était pour faire avant yo Antonio sous un cessez-le-feu. Sandra Lemaire, VOA Créole.
Washington. Merci Sandra. Sandra, avant aller, nous connaissons que nous avons suivi développement là, côté que eh ben, princesse de Galles, en parlant de futur, et reine d'Angleterre, en parlant de Kate Middleton, l'Italien cancer. Dis-nous plus, non? I want to take this opportunity to say thank you personally for all the wonderful messages of support and for your understanding whilst I've been recovering from surgery. Future reine Angleterre, Kate, a annoncé vendredi li gen cancer et la recevoir chimiothérapie. Li révélé condition li dans un message vidéo que li était enregistré mercredi que yo était diffusé dans la Grande-Bretagne vendredi. Vidéo a mette fin dans plusieurs semaines spéculation sur réseaux sociaux yo sou ki côté lié à pou ki sa yo pa wel depuis hospitalisation li nan mois de janvier a pour yon opération. It has been an incredibly tough couple of months for our entire family, but I've had a fantastic medical team who have taken great care of me, for which I'm so grateful. En entier fait face avec un cérémoine qui était difficile en pile. Mais l'équipe docteur moi est fantastique. Ils prend bon soin de moi et moi très reconnaissante. Dans le mois de janvier, j'ai subi une opération sérieuse dans le ventre, dans Londres. Dans l'époque-là, j'ai eu une condition moins pas de cancer. Chirurgie était bien passée, mais test qui était fait après l'opération, j'ai une présence de cancer. L'équipe médicale m'a conseillé pour subir une série de traitements préventifs, chimiothérapie, et qu'on y a une première phase de traitement. Ça. Kate dit nouvelle a été choquant pour lui-même, Maril Actimunio, et lui demande public là pour bali temps, espace à respect pour vie privée li pendant la recevoir traitement pour un cancer que lui pas spécifié. Li fait qu'on est li bien, la pour prendre force chaque jour et la concentrer sur bagaille qui pral aider le guérir. As you can imagine, this... Merci Sandra Lemaire pour dernier développement ça sur Kate Middleton. Et puis gros nouvelle là jodia c'est eh ben c'est 40 monde pour petit qui mouri dans et Moscou dans yon on paquet nèg entré dans yon côté tab te gen concert n'a retourné encore. On allait qu'on y a dans pays la France, nous pral parler un petit peu de vedette dans pays d'Haïti, n'a parlé de New Look qui saccagé Zénith. Eh bien, Franklin Edward J. Dems qui était sous place pour VOA Creole. Il y a environ 4 ans depuis qu'il n'a pas joué en France. Concert Zénith, ça a été reporté 3 fois déjà pour une raison pour une autre, selon ça, Harley déclaré dans le micro La Voix de l'Amérique. Malgré tout, Maestro Wa est très tenace. Il faut qu'il fasse concert ça quand même au Zénith, advienne que vous Qui est un challenge dans ça? Nous avons annulé 4 fois. On dit tout. Il faut faire pour qu'il ne pas annulé comme ça. Il faut faire. Parce que nous jouons Zénith déjà. Mais il y a une différence entre participer dans le spectacle qu'a fait au Zénith et avec fait au Zénith. Il y a une grande différence. Parce que le fond Zénith, les gens viennent se déplacer pour l'affiche là. Juste samedi, tu es venu arriver. Toute la Pérez passe derrière. Femme dit nous, Zénith de Paris qui a fait concert à partir de 2400 moun pour arriver 6800 moun. Parce que Zénith a des capacités pour les ouvrir et pour les fermer tout. New Look bel et bien à plaguer compas. Fanatique qui ont campé sous des rangs. Public là répond à l'appel. Maestro Ali La Rivière revisiter une partie d'ancien tube Lio, fait pour Loving You et li frapper musique qui sous dernier album dans tout. Li devine invité Oswald et Joey doit finir sans oublier petit garçon Lian qui devine chanter avec lui sur un morceau. Li rend hommage à Papa Li Daniel Larivière et aussi à Pays d'Haïti qui selon lui-même pas mérité souffrance. Comment organisateur avec animateur et fanatique yo yo te considéré spectacle New Look ça. Prestation de New Look ce soir. Au top. Vraiment. Au top. Au moins oui, ça valait le coup. Hey, écoutez, nous on est là, on s'amuse, ça va, ça se passe très bien, tout le monde s'amuse, on est dans le bain. Sache que tu es ma plus grande star. Je suis très contente de venir de ce concert, c'était une surprise pour moi.
Love you. Avec New Look, pour moi, c'était une évidence, hein, parce que je suis effectivement fan de compas, fan de musique et fan tout simplement des gens talentueux. Et c'est le cas de Harley Larivière. Ça représentait une belle occasion pour jeunesse haïtienne, là. Montrer que y a un avenir dans la musique, là, pour s'acter avant, montrer nouvelle jeunesse que y a une ouverture, y a une place surtout. Je me pose question fierté pour tout haïtien. Le nouveau jazz qui vient représenter nous dans la scène de Paris. Vraiment content parce que son artiste m'a remis en pile et que depuis petit m'a prouté. Moi, j'ai gagné 23 ans aux États-Unis. Pour occasion, New Look, je suis obligé de venir visiter Paris. New Look est arrivé quand même à concrétiser et faire ça pour le faire aujourd'hui, Zénith de Paris. Et c'est ça que New Look a gagné et comme un défi. Et pratiquement, New Look est arrivé à réaliser ça pour le faire. Jean que nous comprenons, fanatiques et promoteurs, nous semblent satisfaits de concert ça. New Look au Zénith de Paris. James Franklin Edouard, depuis la Ville Lumière, Paris, pour la Voix de l'Amérique, Créole. Et n'a prêté dans même esprit à côté que nous pourrons rejoindre Serge Rodriguez qui pourra parler nous de nouvelles sous vedette. Mesdames, Messieurs, salut, bienvenue dans l'actualité culturelle semaine ça sous VOA Créole. Côté nous pourrons parler de plusieurs bagailles. Nous n'en rien pour vous avec Dr. Dre, spécialiste hip-hop qui finalement a cette toile sous boulevard Hollywood. Là. Nouvelle souveraine de tout apprendre de bonnes sources que l'artiste hip-hop André Young, que le public mondial la connaît en bas nom de scène Dr. Dre, a eu l'occasion pour constater avec deux grands yeux dans la tête libre à 19 mars passé, propres étoiles palées sous célèbre tout trois des élus, ça aurait les Hollywood Walk of Fame en anglais. Il y a un pile gros Tokaeli qui a évolué dans le domaine rap hip-hop là, qui te répond présent à l'appel. Gros nom tant que Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg, mettait avec gros autobré dans la catégorie si là, en parlant de Jimmy Lovin. Dr. Dre dit dans l'occasion, si un bagage qui te prend temps pour te faire, elle n'est pas vraiment connaît pour qui sa responsable galerie boulevard des Illusions tape marché type à pas sous question. En tout cas, Dr. a remercié Chambre Commerce Hollywood là, qui croit, il était finalement paré pour suivre pas à pas Ice Cube, Snoop Dogg, à 50 sens qui a bénéficié des étoiles par eux longtemps avant lui. Dr. Dre qui a déjà ramassé 9 prix Grammy, dit pendant qu'il a grandi dans la ville de Compton, État Californie, il n'a pas jamais imaginé qu'il n'a pas recevoir un honneur comme ça dans l'existence. Il a ajouté, moi je suis moins fier de ce que je suis arrivé à mettre son genre musical là, dans un autre niveau. Kounia a passé dans l'autre cause qui a un rapport avec la royauté. Prince William d'Angleterre a visité un projet pour les gens qui dorment dans la rue, dans la zone Sheffield qui n'a pas été dans le pays. Visite ici là, a été déroulé mardi 19 mars passé, après publication vidéo Madame Liquette, après il a fini subi une opération, ça a gagné 2 mois comme ça. Monde kawé vidéo princesse de gala que un média en ligne t'a publié sur internet lundi 18 mars passé. Faut que nous dit princesse de gala pas jamais paraître en public avec l'autre membre de la famille royale là depuis époque Noël là. Pour nous retourner sous prince héritier William, n'a dit lui mettre sous pied une fondation sur une période de 5 ans, c'est une façon pour démontrer que question monde sans abri, c'est un bagage de courte durée qui rare et qui pas droit répéter. Et qu'on est à un moment arrivé pour ne pas se connaître en bas juste de rentrer pour nouvelle souhait chez Maïla, dans Miami. Artiste solo Vanessa Désiré a performé pour la première fois week-end passé dans le festival musical Madangougous dans la ville de Miami. Artiste là, t'es très satisfait de l'accueil public là. C'est la première fois moi dans Madangougous, Vanessa, et vraiment satisfait de gens publics là, t'es accueilli. Parce que moi, ouais, que t'es vraiment fanatique Vanessa là. T'es gen moun qui t'a chanté avec, qui t'a enjoy avec. T'es gen moun qui t'es prêt pour yoter tandem et qui t'es campé tandem et danser avec. Pour une première fois, pour moi, son succès, je ne vais pas attendre pour me tourner encore. Une plus belle expérience moi dans l'industrie, c'est Jean Moun yoter accueilli pour premier album solo qui c'est Force, qui a un paquet de musique que moun yo apprécié, que m'te délivré là. Donc, je pense que c'est une booster qui fait moi que je peux continuer dans l'industrie. L'autre nouvelle pour aujourd'hui, artiste solo Millie Sings, c'était de passage tout dans l'État Floride. Après performance, l'artiste a été confié nous que les fêtes aux États-Unis, il apprend à parler créole pour le chanter pour Haïtiens. Qui ne pas fait Haïti. C'est New York qui m'a sorti. Je apprends à parler créole pour nous. Je fais ça pour me faire parce que mal dans l'école. Je so fais ça pour me faire pour nous. So, je nous recevoir, je nous encadre pour essayer ça en pile. Merci un peu, Jude de Ronsré, pour nouvelle souveraineté. Moi, c'est Sergio Rodriguez.
Vous êtes avec Serge Rodriguez et Jude De Wosre. C'est pratiquement là que nous avons mis fin dans le programme. C'était un plaisir, comme d'habitude, pour nous servir. Et puis, nous avons dit que gros nouvelles qui sortit dans le pays là aussi, dans la ville de Moscou, c'est attaque ça qui fait dans un gros complexe culturel commercial que le Crocus City Hall. Côté, il y a plusieurs nègres entrés avec ZAM automatique et puis il y a ouvert coup de ZAM sur le monde. 40 moun pou pipiti mouri et plus passé 100 l'autre blessé gan pile réaction qui sorti et à travers le monde notamment gagnien et John Kirby qui s'est conseiller sécurité la Maison Blanche qui lui-même lui dit que eh ben il y gardé image son bagage qui effrayant et qui horrible. Merci d'est-ce que ou t'es branché yon l'autre fois encore et Rob McLean, Joe Gill et puis Fred Kaimit et puis sans oublier gentil Augustin Junior. Moi c'est Jacques Lambelizer. Bonsoir, bon week-end et à lundi.